Hello mes citrons, j'espère que vous allez bien et moi je vais bien. Alors aujourd'hui, ce que j'ai décidé de faire, j'avais vu une vidéo anglaise il y a quelques mois, je crois. Donc je ne sais plus c'est qui l'avait fait, je ne sais pas celle qui a entre guillemets inventé le concept ou quoi, donc je suis désolée, je pourrais pas vous la citer. Mais en gros, ça m'avait inspiré, je me suis dit pourquoi pas faire une petite série là-dessus. Quand je dis série, c'est-à-dire voilà, faire une vidéo comme ça plus régulièrement. En fait, c'est par rapport au pack. Donc, on a un pack tous les mois, en fait, qui change. Et en fait, ben, la personne qui a fait une vidéo, ben, elle essaie de reproduire le pack, mais avec des vêtements VIP ou pas VIP. Voilà, pour montrer un petit peu que des fois, on arrive à reproduire des looks... Oh, mais je rêve, les baskets. Je rêve! Arrête pas, je t'en supplie! Oh, vous inquiétez pas, je ne vais pas arrêter. C'était vraiment la vidéo justement pour vous expliquer que malgré cela, enfin bref, allez voir ma vidéo, je suis trop vieille pour jouer à MSP. Et vous comprendrez si vous regardez cette vidéo, peut-être que voilà, vous l'avez pas vu l'ancienne, vous comprenez pas. Enfin bref, comme je disais, on va essayer de reproduire le pack parce que des fois, il y a des packs qui vraiment en valent pas le coup, dans le sens où les vêtements sont très facilement recopiables dans le magasin de vêtements. Et là, en fait, bon, je pense que pour les baskets, ça va être un petit peu compliqué. Ça doit être assez unique comme type de basket. Et en fait, je viens de remarquer, parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, dans mon fil d'actualité YouTube, j'étais tombée sur une nana qui montrait justement ces baskets-là. Genre, les baskets, elles coûtent 800 euros ou 1000 euros, un truc comme ça, non? Les baskets Gucci. Marqué quoi, good? Ils ont pas marqué Gucci, ils ont marqué good dessus, MSP, vous êtes sérieux, les gars? Enfin bref, ouais, c'est des baskets avec des diamants comme ça. Alors, personnellement... je les ai pas trouvés si moches que ça, mais jamais je paierais 800 euros pour ça, quoi. Fait, exagérez pas, les gars, mettez pas 800 euros dans une paire de baskets. Bref. Surtout que je pense, je sais pas si c'est nouveau, mais bon, je préfère limite acheter, hein, je vous le dis, une contrefaçon à 50 euros que d'acheter ça à 800 euros. C'est ouf, même 50 euros, je trouve ça cher pour des baskets, mais bon, ça c'est mon avis. Bref. Hein, moi je suis. Voilà. D'ailleurs, dites-moi, c'est quoi vos baskets préférées? C'est la vidéo qui tourne au. Qu'est-ce que vous préférez dans la vie? Moi j'aime bien porter surtout les Air Max. C'est vraiment mes baskets préférées. Déjà d'une, parce que je suis petite, ça m'a grandi, parce que j'aime beaucoup la forme. Sinon, j'aime bien aussi les Air Max et des Nike. Mais j'aime bien aussi les Nike Rivalry. C'est des sortes de chokers comme ça, enfin bref, je sais pas comment les expliquer, mais si vous tapez Nike Rivalry, vous tomberez sûrement dessus. C'était mes chaussures préférées, mais ils ne se vendent plus, donc j'en ai encore une paire que j'essaie de pas trop porter pour essayer de garder le plus longtemps possible. Et les Air Max, vous pouvez toujours acheter ça, voilà, c'est intemporel, il y en a toujours, il y en a eu quand j'étais plus jeune, hein, quand j'allais à l'école, au collège et tout, ça existait déjà. Et jusqu'aujourd'hui, ça existe encore. Bref, on va pas discuter plus que ça. Et je vais essayer de reproduire un look qui ressemble à ça. Donc ici, nous avons chaussures, robe et coupe. D'ailleurs, je trouve que porter des chaussures comme ça, avec une robe comme ça, ça le fait pas trop. Mais bon, allez, c'est parti. Nous voici dans le shopping où j'ai décidé de garder le visage comme ça et puis les boucles d'oreilles, puisque de toute manière il n'y a pas vraiment d'accessoires dans le pack. Et bah du coup c'est parti, on va essayer de retrouver un petit peu, on va commencer par quoi? Je pense que la robe c'est ce qu'il y a de plus facile, parce que je pense qu'on peut trouver ce type de robe assez facilement. Pour la coupe, on va essayer de trouver, donc on va essayer de ne pas utiliser tout ce qui est diamant, encore à la limite tout ce qui est VIP. On autorise, je sais pas, j'ai pas la vidéo de la fille en anglais, je sais pas si elle mettait les trucs diamants et ou quoi, peut-être que oui. Enfin bon, ouais, cette coupe, si vous ne connaissez pas, parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup qui connaissent et vous l'aurez peut-être pas remarqué, mais en fait c'est la coupe d'une femme qui est dans un groupe qui s'appelle The Antwoord. Je sais pas s'il y en a qui connaissent, bref, je pense pas que ce soit votre délire parce que c'est vraiment des vidéos assez, enfin de la musique assez spéciale. Je sais que la plupart des gens à qui j'ai montré les clips et tout ça, ils aimaient pas trop la musique et tout, c'est vraiment très spécial. Mais enfin bref, c'est plus pour la référence, vous sachiez que c'est sa coupe. Et bah écoutez, c'est parti, on va essayer de reproduire la coupe de cheveux de, tout simplement du pack. C'est parti. Bah écoutez, pour le moment, j'ai trouvé une coupe VIP qui pourrait à peu près correspondre. Ce serait celle-ci, par contre j'en ai trouvé une en diamant qui serait encore mieux, mais comme j'ai dit, j'ai pas trop envie d'utiliser les diamants, ce serait celle-ci.
Je trouve qu'elle y ressemble plus au niveau de la forme de la coupe, malgré le fait qu'on puisse choisir uniquement une couleur et pas un dégradé de couleur. Mais voilà, vraiment, je pense que si vous voulez pour le moment un peu mieux respecter, ce serait plus celle-ci. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si par la suite, dans la prochaine vidéo que je ferai du pack, donc ce sera je pense d'ici un mois, puisque là le pack il vient à peine de se renouveler, mais si vous souhaitez que j'utilise, si je peux utiliser les objets VIP ou pas, pour essayer de reproduire le pack. Parce que là franchement cette coupe elle serait bien. Après j'ai pas, je suis seulement à la page 3 donc on va encore voir. Là aussi je tombais sur une coupe assez intéressante qui est celle-ci. Parce que du coup elle ressemble pas mal quand même. On dirait l'autre diamant mais en version pas dégradée, toujours pas, mais avec des mèches. Et ça ressemble vraiment pas mal. Alors voilà, on va quand même la mettre pour voir. Elle est quand même pas mal, hein. C'est pas non plus la coupe du pack. Mais encore une fois, elle coûte des diamants. Donc pour le moment, les cheveux les plus intéressants que je trouve coûtent des diamants. Donc vraiment, répondez-moi à cette question sous les commentaires. Est-ce que je suis autorisée à utiliser les diamants ou pas pour faire des imitations de pack? Dites-moi si vous voulez ou pas, ou si vous préférez que je reste quand même sur des trucs VIP, non VIP, histoire que les gens puissent les acheter. Après c'est vrai que les personnes qui ne sont pas VIP, n'oubliez pas que vous pouvez toujours demander si vous avez des amis VIP de faire la technique pour vous envoyer. Bah, en fait c'est pareil finalement. Finalement en fait avec les trucs diamants aussi on peut les envoyer avec la technique. Oui parce qu'il y a une technique pour envoyer les objets VIP aux non VIP, comme pour envoyer les objets garçons aux filles, ou les objets filles aux garçons, ou également pour envoyer les trucs diamants aux personnes qui n'ont pas de diamants. Parce que les trucs normalement qui valent des diamants vous ne pouvez pas les envoyer, mais il y a une petite technique pour le faire. Donc je sais pas, dites-moi. Parce que c'est vrai que si j'autorise les trucs VIP, autant autoriser les trucs diamants dans la logique. Comme ça, pas de discrimination. Hein. Et voilà, dites-moi. En attendant, pour le premier épisode, je vais quand même ne pas prendre les coupes qui sont diamants. Et du coup, on va s'arrêter sur la coupe là. Donc je ne suis pas vraiment super satisfaite au niveau de la coupe. Pourtant je me suis tapé 49 pages de coupe voilà, pour essayer de retrouver la meilleure, celle qui correspond le plus. Bon je suis voilà, je sais que les coupes diamants elle aurait mieux correspondu, très français je sais pas. Bah qu'est-ce qu'il y a mon ex? Bah mon ex il est autour de l'os, il a déjà mangé. Je lui ai donné un os juste avant de commencer à faire la vidéo, il a déjà fini ce chien. Non Nexou, non. Ok, il a pioché dans ma poubelle et il s'est barré avec un truc de ma poubelle. Super, on adore. Donc pour l'instant, je vais m'arrêter sur cette coupe-là. Donc j'essaie de reproduire également les couleurs du pack. Comme ça, on peut mieux se projeter. Écoutez, on va aller chercher parce que les chaussures, franchement, je les laisse pour la fin parce que ça va être très très compliqué. Je pense que ça va être impossible pour les chaussures. Et on va passer à la robe. Bon, vu qu'il y a 23 pages dans le gala contre 60, je crois, 61 dans robe, je vais d'abord essayer peut-être de le trouver dans le gala, parce que ça reste une robe avec des paillettes. Donc on va tester ici, on va rechercher un petit peu. Bon, bien évidemment, parce que ça, voilà, ça peut pas être trop facile. Bah, je me suis tapé toutes les robes jusqu'à la page 61, je me suis tapé toutes les robes de gala. Je suis tombée sur une robe vers la page 20, je crois, c'était celle-ci. Où j'ai essayé d'adapter les couleurs dans les tons rose nacré pour que ça corresponde. Malheureusement, j'ai essayé de mettre une jupe par-dessus pour essayer de voir si je pouvais mettre une jupe par-dessus. Malheureusement, les jupes, ils vont en dessous de la robe. Du coup, c'est pas possible. Pour le moment, en tant que robe, c'est celle que je choisirais le plus. Et parce que j'ai pas envie de que ce soit non plus trop facile et prendre la première robe qui convient, de regarder si j'ai moyen de peut-être, à la place de prendre cette robe-là, de partir sur une jupe et d'essayer d'adapter un haut pour qu'il corresponde à la robe et ainsi faire une robe à partir d'une jupe et du haut. A savoir que sur celui du pack, de toute manière, je vous mettrai l'image hein, pour que vous puissiez quand même voir la différence. Et bien, je vous mettrai l'image quand même du pack diamant et vous verrez de toute manière si ça correspond bien ou pas. Mais je pense qu'il y a moyen de trouver une jupe et un haut. On va essayer, on y croit. Bah déjà pour la jupe, celle de la première page, je trouve qu'elle correspond plutôt pas mal. On va voir si on trouve mieux, mais elle est déjà pas mal. Celle-ci, elle est pas mal aussi. Elle est pas mal, même si je préfère quand même un petit peu la première. Parce que pour la première, en fait, ça fait un effet... celle-ci, elle fait un effet mat au niveau de la texture. Et celle-ci, elle est un petit peu brillante. Et du coup, vu qu'elle est un petit peu brillante, bah du coup, elle correspond un petit peu plus.
Bon, on va s'arrêter sur cette jupe-là parce que j'ai peur d'être déçue et de me taper 30 pages pour rien. Alors que celle-ci me correspond bien et on va aller chercher dans les hauts. Je pense que ça va être compliqué maintenant. Mon but, eh bien, c'est de trouver un haut qui, déjà d'une, colle à la jupe ici pour pas faire un écart. Et également brillant en fait et à bretelles, ce serait déjà l'idéal. Là celle-ci elle colle plutôt sympa, même si c'est pas exactement la même chose. On va bien sûr chercher plus loin, on est que à 9 pages sur 99, mais c'est pas grave, vas-y trouver quelque chose de mieux. Et sinon celle-ci elle est pas mal, il manque juste les paillettes, mais franchement elle colle à la jupe, donc c'est plutôt sympa. Elle colle à la jupe, mais il manque les petites paillettes, les petits strass, ils sont où? Oh my god, celui-ci, il aurait été parfait s'il serait long. Oh, je suis déçue. Regardez, franchement, il collerait à la jupe, ce serait parfait. Bon, sinon, une alternative sans bretelles, avec des strass, eh bien, nous avons celui-ci. Dommage pour les strass, et ça correspond pas, c'est au niveau d'ici. La jupe devrait être par-dessus pour faire une ligne droite et là ça fait un triangle, enfin je sais pas comment appeler ça. Je vous jure que si je trouve pas mieux que celui-ci, on va rester sur celui-ci parce que je le trouve trop beau. Même si c'est... Voilà, la bretelle c'est ok, les paillettes c'est ok, ça correspond bien avec la jupe. Il y a juste petit bémol, c'est que ici nous avons des trous, des espaces. Mais ce qui me plaît bien dans ce haut, c'est qu'en plus de ça, il n'est pas vip et il est super beau. Donc ce serait sympa de rester sur celui-ci. Je vais quand même essayer d'aller un petit peu plus loin. On est à 46 pages sur 99 pour essayer de trouver quand même un haut qui peut-être correspond encore mieux. Franchement, un comme ça, mais genre avec ici fermé, ce serait genre idéal. Ok, on est arrivé au bout de la liste et on va rester sur ce haut-là parce que bon, j'en ai trouvé qui auraient pu correspondre, mais pour la plupart, soit ils étaient un peu trop évasés, soit ils manquaient les bretelles, soit ils manquaient ici, il manquait toujours quelque chose. Donc au final, tant qu'à faire qu'il manque quelque chose, autant qu'il manque un petit peu de tissu ici et qu'on reste sur celui-ci parce que franchement, c'est celui-là que je préfère le plus et qui d'après moi est le plus ressemblant. Et maintenant, on va passer à la partie la plus compliquée. Forcément, je me la suis laissée pour la fin. Et bien, c'est d'essayer de retrouver les mêmes baskets que dans le pack parce que ceux-là, ils sont assez uniques. Et ça va être compliqué de trouver la même chose. Je pense même pas pouvoir essayer de trouver la même chose. Et c'est ça le pire. C'est... Bon, on va aller dans les baskets déjà. C'est des baskets. Là, clairement, ça va être compliqué. À part trouver des grosses chaussures type celle-ci. Je pense pas pouvoir retrouver la même chose. Vraiment, je sais pas. De toute façon, on a que 11 pages. Peut-être celle-ci si je change les couleurs. Non, je préfère encore celle-ci. Elles ont l'air d'être un peu plus larges. Mais vraiment, là, c'est compliqué. Là, ça va être difficile. Enfin, je vous le dis d'avance, je pense que ça va être impossible pour les chaussures. Donc vraiment, le pack, il est intéressant à la ligne pour les chaussures, mais c'est tout. Parce que en termes de coupe, vous trouvez à peu près les mêmes avec les diamants. Pour la robe, je suis assez satisfaite du résultat. Et du coup, je trouve que sur le... Enfin, la robe du pack, elle n'est pas exceptionnelle en soi. Elle n'est pas vraiment... Enfin, même pas du tout exceptionnelle. On peut faire des imitations assez facilement. Des imitations encore plus belles. Personnellement, je préfère déjà... Hein, vous allez me dire... Bah, dites-moi d'ailleurs, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Et moi, je trouve déjà qu'au niveau de la robe, je préfère ma robe à moi que la robe du pack. Hein. Je vous le dis clairement, en termes de beauté de la robe. Enfin, même si j'ai un petit peu triché, puisque c'est une jupe plus un haut. Mais je préfère quand même ma robe à celle du pack. Pour vous dire, on a l'impression même que c'est une robe en soi, que c'est pas une jupe plus un haut, on dirait vraiment une robe. Et c'est aussi l'effet que je recherchais. Mais vraiment, si vous voulez les baskets, le seul moyen de les obtenir, c'est avec le pack, là pour le coup. Voilà quoi, les baskets, à la limite, si je pouvais me faire un petit pack juste pour les baskets, ça me dérangerait pas. Parce que c'est le seul truc vraiment qui est cool dans le pack. Enfin, cool en soi, dans le jeu. Parce que en vrai, je mettrais pas 800€ comme j'ai dit au début de la vidéo pour une paire de baskets. Encore, je dis 800€, ça se fait, c'est dans les 1200€, je ne sais pas. C'est le prix d'un mois de salaire, sachant que les gars qui travaillent, il doit payer son loyer, son électricité, patati patata. Et en plus de ça, payer 1200€ pour une paire de baskets. Non, merci, c'est juste impossible. Mais ouais, là, attendez, on continue. Non, y a, franchement, il n'y a rien. Il n'y a rien, les gars, qui pourrait remplacer les baskets du pack. Je le savais, c'est pas une surprise, je le savais. C'est pas du tout une surprise, mais
Si au moins j'aurais pu trouver une paire de baskets blanches avec un petit peu des éléments dorés dessus, ce serait pas dérangeant. Genre j'aurais mis ça, mais ceux-là ils coûtent vachement cher. Bon, merci pour les outils. Attendez, parce qu'il y a Alice qui m'a fait une salutation quand j'étais en train de chercher. Elle est passée où, Alice? Elle a disparu d'en bas. Faudrait que je lui envoie quand même quelque chose. Bref, comme je disais, une paire de baskets blanches, mais si on pouvait rajouter des petits éléments dorés, ça aurait été pas mal. Mais même ça, je trouve pas. Donc voilà, j'aurais mis une petite paire de baskets type... C'est comme ce que j'ai vu tout à l'heure, mais si je pouvais mettre des éléments dorés, vraiment, c'est le seul truc. Mais même ça, je crois que j'y arrive pas. Regardez, y a rien. Même un truc qui ressemblerait, franchement, pour le moment, c'est la basket là que j'ai pris qui correspond le plus. Donc là, vraiment, il y a rien. Je sais, je me répète 46 000 fois, mais ça me saoule en fait de savoir déjà dans ma tête qu'il y aura rien et que finalement, il y a quand même rien. Est-ce que quelqu'un a compté combien de fois j'ai dit rien? Puis je viens de le redire. Peut-être celle-ci. Est-ce qu'on peut choisir? Oui, alors attendez. Si je mets du blanc, ça c'est quoi? Ouais, à la limite, mettre du doré ici. Voilà, ça fait couleur pipi, mais... Genre du doré un petit peu. Et genre ça c'est quoi? C'est des lacets du coup. Genre les lacets, ils sont blancs, donc on va les laisser blancs. Par contre, la couleur jaune, j'aurais préféré un plus... Ouais, voilà, un doré. Ouais, non, ça, c'est trop orange. Ouais, celui-ci, c'est celui-là qui fait le plus doré. Bon, à la limite, on va prendre les baskets là, parce que déjà, d'une, comparé aux premières que j'ai choisies, c'est des non-zip. En plus de ça, avec les éléments dorés, ça ferait un petit rappel, même si c'est vraiment pas du tout les baskets du pack. Mais bon, on va balayer ses pieds nus. Le principal, le but du jeu, c'est d'essayer de trouver le truc qui ressemble le plus. Donc, voilà. Bon bah écoutez, on va valider, on va regarder un petit peu le panier. Alors, est-ce qu'il y a des trucs VIP? Non, je crois que... Si, il y a la coupe qui est VIP. Il y a la coupe qui est VIP, mais c'est le seul truc qui est VIP dans le pack, enfin dans l'imitation pack plutôt. Et à la place d'avoir fait une robe, on a fait une jupe plus un haut. Donc la valeur totale du panier, 2400 Star Coins. Donc on va forcément tout acheter, voilà. Et merci Sarah du 54310, merci beaucoup à toi pour ta salutation, gros bisous, merci beaucoup. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste créer, on va créer le look, voilà, comme ça vous l'aurez pour les personnes qui veulent retrouver facilement, parce que je vous ai pas forcément montré toutes les pages de ce que j'ai pris, enfin, je suis allée assez rapidement, et on va créer un nouveau look. Alors, c'est le pack de quoi? On va marquer pack... Est-ce qu'ils ont des noms, les packs? Non, ils n'ont pas de nom, les packs. Bon, on va mettre au pire le nom du mois qu'on est. Alors, attendez. Pour la création de look, je vais tout enlever comme ça. Ce sera plus simple pour vous si vous voulez prendre directement le look. Donc là, on est chaussures. Voilà, on est bon. Alors, on va appeler ça imitation pack. On va marquer novembre 2018. Bien naturellement, si vous dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi, comme je vous ai redit, je vous le dis 15 000 fois, mais pour pas que vous oubliez, vraiment, mettez un commentaire pour me dire si vous voulez, est-ce que j'ai le droit la prochaine fois d'utiliser des trucs diamants ou pas. Est-ce que, également, ça vous dérange pas non plus qu'il y ait des choses VIP dans les tenues? Bon, je pense que VIP, ça va encore, c'est vrai que diamant, c'est limite. Après, dites-moi ce que vous en pensez. Également, si vous aussi, vous décidez de relever le challenge, d'essayer de refaire le look du pack, n'hésitez pas à me marquer vos pseudos pour que j'aille voir vos looks. Bien sûr, il faut vous créer le look avant de mettre le commentaire, parce que si je vais voir et que finalement, vous n'avez pas encore le temps de le faire, bah, c'est pas drôle. Donc, n'hésitez pas à me marquer aussi également quand vous aurez fait le challenge. Enfin, je sais pas, on appelle ça challenge, pas challenge, bref, le défi. Dites-le moi également en commentaire avec votre pseudo. Et bah écoutez, dites-moi également si c'est réussi, voilà, à peu près. Là, c'est vrai qu'au niveau de la coupe, il y a des packs où on peut trouver mieux au niveau de la coupe. Là, clairement, j'ai essayé de faire à peu près avec le dégradé, comme la coupe du pack. Bref, dites-moi bien, qu'est-ce que vous en pensez? Et sur ce, moi, je vous laisse, parce que j'arrête pas de me répéter 15 000 fois dans cette vidéo. Je vous laisse, je vous fais de très gros bisous, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, dans un prochain live. Ciao, ciao!